Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'ouvrir une nouvelle boîte que j'ai hâte de construire, je l'avoue. C'est le P40 Flying Tiger Curtis Oak 81A2 de Great Wall Hobby. O132. Superbe boîte. C'est gros, c'est pour ça qu'il y a des reflets. Je suis désolé, mais je suis obligé d'éloigner l'appareil et du coup, c'est un petit peu gros. C'est une très jolie, très jolie boîte. Je sais pas si je peux... Voilà. On est vraiment sur du gros 1.32. Alors, Great Wall Hobby, j'ai fait le F15E de chez eux. C'était une merveille. Réellement, c'est devenu, ou ça l'a toujours été, mais c'est devenu vraiment une très belle marque. Beaucoup de détails, j'ai hâte qu'on regarde ça ensemble. Beaucoup de pièces, on va le voir ensemble. Tout l'intérieur est fait un peu à la Zukemura, ça donne des bonnes idées. Et ben, je pense qu'on va s'ouvrir ça tout de suite. Tadang ! Attention, hop ! Et voilà. Alors, la boîte est bien remplie. Hein. Elle est bien remplie. On va sortir ça. On va se garder ça. On va se garder ça. Et puis, on regardera les grappes à la fin. Ouh, il y a des jolies surprises. Ok, et on regardera les grappes à la fin. Alors, pour commencer, déjà, moi, ça, j'apprécie. Ça veut dire qu'il y a des erratums. Des coquilles se sont glissées dans la doc. Et Great Wall Hobby vous fournit tout ça. Qui reconnaît ses fautes, hein, est à moitié pardonné, comme on dit. On a une boîte un peu spéciale. C'est une édition spéciale avec un superbe... alors, il y a des aimants dedans, je ne sais pas ce que c'est, on verra, mais il y a un très beau écusson de la 80e. C'est du scratch. Non, ça marche pas, ça marche pas, il n'y a rien à faire, mais c'est du scratch, donc ça peut être retiré. C'est pas mal, hein, c'est joli, hein. En tout cas, c'est bien brodé, ça fera bien dans l'atelier. Super. On a ensuite une grande, et quand on dit grande, on dit très grande planche. Voilà, ça fait un beau A2 avec les différentes décorations qui vous sont proposées. Excellent. Donc pas mal de décals, on va regarder ça ensemble après. On a des choix différents. Superbe, superbe. Enfin, c'est agréable, hein. Quand on a une belle planche comme ça, on n'a qu'une envie, c'est de travailler avec. Ça s'affiche tranquillement, c'est super. Bravo. Bravo Great Wall. Puis on a ici donc les décals. On regardera ce que c'est avec une carte particulière. On regardera tout à l'heure. Et hop, la doc. Alors en deux parties. Et ça, merci. Merci Great Wall Hobby. Mais qu'est-ce que c'est agréable d'avoir ça. On a une doc séparée avec tous les sprues et tous les éléments de la maquette. Alors ça paraît anodin, mais quand on est dessus et qu'il faut faire des allers-retours et qu'il faut chercher, surtout quand il y a beaucoup de pièces comme ça, une pièce dans une grappe, c'est toujours la galère. Là au moins, vous avez toutes vos grappes qui sont nommées, déterminées avec les pièces. Je sais pas si vous voyez, mais c'est top ça. Ça veut dire que toutes les pièces sont numérotées sur ça. Moi ça, je vais l'afficher là, hop, quand je vais faire la maquette, et je ne galère plus. Ah oui, la partie... Ah, c'est celle-là, voilà. Donc très bien, très bonne initiative. Et de l'autre côté, les référencements couleurs chez Mister Color et Valero. Bon, ça, je suis jamais fan, parce que c'est pas des couleurs que j'utilise. Mais bon, elles sont indiquées, on va retrouver, c'est pas un souci. C'est super. Parfait. On continue ? On continue. La doc. Alors, la doc est juste superbe. Donc, on voit qu'il y a les harnais en PE. Il y a une belle planche de PE. On verra. Moi, j'ai rien acheté en add-on. C'est pas dans mes habitudes pourtant, mais là, honnêtement, c'est tellement plein. Ok, il y a vraiment toutes les parties internes, les réservoirs. Super, super chouette. Ok. Bon, le montage a l'air extrêmement classique, il n'y a pas de surprise. Ça, ça va être un peu... Faudra travailler effectivement les deux parties qui se lient entre elles. Mmh.
Elle est épaisse, hein, la doc, hein, et très détaillée. Ça, c'est plutôt agréable. Voilà, il y a du PE ici aussi. Alors, le côté 3D, bien illustré, bien explicatif, j'adore. Moi, je trouve ça hyper propre. Les Chinois font beaucoup ça. Ok, super. Ensuite, vous avez vu, il y a tous les volets détaillés à l'intérieur. Ça, merci, quoi, c'est top. On pourra les ouvrir bien détaillés. Honnêtement, on va regarder les grappes, mais si c'est à la hauteur de ce qui est dessiné, c'est un super modèle. Il est cher. Alors attention, c'est pas donné quand même, hein. Moi, j'ai payé ça 160€, je crois, hein, ou 150€. Oui, je paye. Moi, je suis pas sponsorisé, je paye. De façon à être le plus objectif possible. Même si, quand on est sponsorisé, on peut rester tout à fait objectif. C'est superbe. Les trains d'atterrissage sont détaillés, y compris tous les, toutes les câblages. Je crois qu'il n'y aura pas grand-chose à rajouter, hein. Vraiment, tout a été prévu. Je vois mal comment on peut faire mieux. Ah oui, alors ça, c'est chouette. Position repliée. Bon, alors moi, en général, je monte toujours les avions avec le train d'atterrissage ouvert. Mais là, vous voyez, on a des pièces différentes pour la position fermée. Je vois qu'il y a des détails incroyables. Ok, superbe. Superbe. La partie moteur. Alors, je comprends pas trop. Ah oui, d'accord. On peut faire la partie moteur fermé sans le moteur, j'ai l'impression. C'est ça, hein. Ok, on va voir. Le moteur a l'air quand même somptueux. Oh. Ah ouais, ouais, on dirait de la résine. On va voir les pièces, hein, mais honnêtement, on a quelque chose d'hyper détaillé. C'est magnifique, hein. Les prises d'air sont superbes. Tout est expliqué, c'est détaillé, c'est propre. J'ai vraiment hâte de la monter. Et on a même un stand pour le moteur si on le met séparément. Alors ensuite, magnette. Donc les éléments servent donc à ça. Ah oui, d'accord. C'est génial. En fait, on fait le moteur ouvert, tout ça, avec un aimant. On fait le moteur fermé avec le capot avec un aimant. Et on pourra interchanger les deux. J'ai un peu peur de la liaison, hein. On va regarder la liaison. Ça, c'est toujours un peu délicat, ce genre de système. Magnifique. On a les masques qui sont fournis. Je vois pas ce qui manque, hein. Et a priori, on a même une figure fournie. Bon. Superbe. Bon, et pour le prix, vous me direz, ouais, y a intérêt. Ouais, mais enfin bon, il y a des marques. 1,32 et quelques euros, on est sur les plates-bandes de Tamiya, hein, directement. Alors, regardons ensemble ces grappes qui sont... Ah, là, c'est démentiel. Le plastique est plus dur que du Tamiya. Il ressemble un peu à certains modèles Edward. J'aime bien, ça se ponce bien, ça. Alors, j'adore Tamiya, hein, attention. Vous voyez, il y a même là, je pense que c'est l'intérieur des trains qui est tout détaillé. C'est superbe. Je sais pas si on voit bien les détails. Oui, on voit bien les détails. Donc c'est extrêmement fin, superbe. Une première planche. Ah oui, voilà la planche moteur. Super. Ah, c'est vachement bien. C'est superbe, regardez-moi ça. Très bien détaillé. Oh, elle est vraiment... voilà, donc le stand, qui est pas ridicule, hein, on pourra vraiment l'utiliser. Je pense que là... je pense que là, une petite vignette sera pas mal. Bon. Magnifique. Même les trains, là... Ah non, le système de... D'échappement est magnifique, hein. C'est, tout est superbe. Waouh! J'ai eu raison d'avoir un gros coup de cœur, vraiment, parce que là, alors, les emballages avec les agrafes, je suis pas fan. Oh, tout est bien, il y a les rivets, on est vraiment sur du fin. On est même.
J'espère pas trop fin, j'espère qu'on va pas perdre les détails. Regardez ces puits de train avec le tissu déjà sculpté. Je pense que si ça s'ajuste bien, ça va presque être trop facile. Excusez la toux, je sors du Covid. J'ai encore des restes. On va ouvrir ça encore. Alors, ah voilà, le tableau de bord, super, super chouette. Alors, ce qui me plaît pas trop, et là je vais être honnête, on verra. Vous voyez, les vitres, les verres sont sculptés. Ça, j'aime pas. J'aime pas parce que quand on met le décal dessus, et on peut pas remettre par-dessus une petite goutte cela de résine, comme j'aime bien, de résine UV. Bon, on verra, je vais peut-être traficoter tout ça. Les jambes de train sont hyper bien détaillées. Je vois bien entendu pas de flash et pas de point d'injection mal placé. Alors sur les jambes de train, c'est même top quoi. Ok, super chouette. Là non plus, hein. Elles sont derrière, c'est bien étudié. C'est bien travaillé, tout ça, c'est super. Allez, encore quelques planches. Oula, vous savez quoi, je vais la garder dans le plastique celle-là. Regardez, c'est tous les tuyaux. Alors ça, à détacher. Merci le cutter électrique. Parce que lui, là, il va servir. C'est hyper fin. C'est hyper, hyper fin. Regardez la pointe du scalpel. Vous voyez la largeur. On est à la largeur du scalpel hein, quand même. Donc ça, on va le garder dans son plastique. Mais je suis content, c'est superbe. L'hélice est en un seul bloc. Merci, ça aussi. C'est une bonne idée. J'aime bien. Oh là 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 là. Non, mais le capot est magnifique. Regardez ça. Super bien travaillé. C'est magnifique. Oh, oh les mecs, ils bossent. Hein. C'est gros. Hein. Quand on voit la taille du capot, de la taille des ailes, c'est gros. J'ai tellement de choses à faire avant, mais oh, je crois que je vais vite craquer parce que réellement, c'est une superbe maquette. Ah ouais. Ah ouais. La gravure est parfaite. La gravure est parfaite. Bon, quelques points d'injection là à l'intérieur, mais on regardera comment on peut les cacher. Ça, je pense que c'est les flaps. Ah ouais, les rivets sont... Alors, ils sont très très fins. On les voit là? Oui, on les voit. Encore une fois, j'ai peur qu'ils soient trop fins. Ça, c'est un peu mon souci. Alors, on a des roues. Ah, merci, parce que j'avais un peu peur, je vais vous montrer. Hop, on a des roues. En plastique. Pourquoi il n'y en a qu'une? Ah non, bah non, je suis bête. Ça, c'est pour le train fermé. Et puis, la figurine. Ouais. Bon, là, on va être honnête. C'est pas top. C'est pas top. C'est correct. Voilà, correct sans plus. Les échappements qui sont individuellement séparés, ça aussi, c'est cool. On verra. Hop. Encore du tuyau, je ne vais pas l'ouvrir. Eux, je les garde, hein. Gardez-les toujours. C'est comme les pièces transparentes, gardez-les bien précieusement parce que ça se casse comme un rien. Et là, une fois que c'est cassé, bonjour la galère. Bon, on peut les refaire après en scratch, mais on va essayer d'utiliser ce qui est donné. Et là, on a donc, hop. Ah oui, l'armement. En double grappe, donc les entrées d'air, mais j'ai vu qu'en PE il y en avait aussi. Superbe, super bien détaillé, super bien détaillé. Les jantes sont pas mal. Moi je crois que ça va être bien. On n'est pas sur du Tamiya, mais honnêtement, on n'est pas loin. Et puis les pneus en caoutchouc, un peu à la Tamiya. J'aime pas trop. Non, je suis pas super fan.
Je sais pas pourquoi, je trouve ça un peu artificiel. Bon, là je vais être honnête, je vais regarder s'il en existe pas en résine. Je préfère largement. Ok, on va ranger tout ça parce qu'il nous reste quand même des trucs à voir. Je remettrai tout ça dans le plastique tout à l'heure. Ça n'a peu d'intérêt sinon en vidéo. Hop, voilà. Voilà. Attention. Donc on a vu la doc, on a vu le poster, on va regarder les PE. Donc belle planche de PE. Là c'est pas ridicule, parce que alors souvent sur les avions, les gars, ils te mettent deux ceintures, trois petits trucs, et ils disent oui super planche de PE. Très fine. Très très fine. Donc là pour les harnais, ça va être tip top ça. Harnais que je ne vois pas. Si, ils sont là. Voilà. Ah ouais, c'est fin. C'est super fin. On va se régaler à travailler ça. Ok. Et puis, les entrées d'air. Superbe. Bonne initiative de Great Wall. Et moi, j'aime bien ça. Plastique des deux côtés. Ça veut dire que vous retirez une pellicule. Et quand vous coupez, votre pièce part pas ou elle loue. Elle reste scotchée. Il suffit de la détacher. J'aime bien comme système. Il y en a qui n'aiment pas. Je peux comprendre. Il n'y a pas de problème. Alors. Super. Ça on l'a vu. Et puis la planche de décale avec, alors vous voyez, même le masque, les masques c'est marrant, ils sont un peu à la Tamiya, on sent qu'ils veulent concurrencer. Là on sent qu'ils y sont. À la différence de Tamiya, ils sont prédécoupés, parce que souvent Tamiya c'est pas prédécoupé. Superbe. Bon, parfait. On a une carte The first American of the Republic of China nicknamed the flying pilots for the United President Franklin. Bon, et voilà, il y a une petite carte de présentation de l'avion. Super. Super. Alors, on sent qu'ils ont voulu honorer quand même nos valeureux pilotes chinois. Ah oui, c'est pas une, mais trois planches de décale. Donc, les dents de requin, on en a des différentes, subtiles. Par contre, made in China, on n'est pas sur du cartographe. Hein. Là, ça peut être bien, hein. Ça peut être très bien. Mais ça fait des belles planches de décale. Ouais, super. Si, si, ils sont mat, alors ils sont extrêmement fins, les décales. Extrêmement, je les sens à peine avec le doigt. Vous voyez ? Donc ça, c'est peut-être une bonne nouvelle. Ils vont être fragiles. Et ils ont un rendu ultra mat. Pareil, ça peut être pas mal. Écoutez, voilà, on a fait le tour. J'ai tout vu. C'est une très belle boîte, très très belle. Un peu cher peut-être. Quelques défauts encore. Ah ouh, non, on n'a pas tout vu, regardez. La boîte surprise, donc qui est un remplacement en imprimé. Ah oui, oh là là, attendez, je me suis emballé là. Donc ça c'est bien. On a les parties vitrées qui sont impeccables, impeccables. Là c'est très très beau, très fin, donc ça c'est plutôt agréable. Dans leur boîte, donc ça c'est plutôt chouette. Et on a les fûts de canon qui sont imprimés en 3D. Bon, ça a l'air pas mal aussi. On verra, très bien. La boîte, bonne idée, comme ça on garde bien précieusement les parties transparentes. Voilà, là ce coup-ci c'est vraiment terminé. J'espère que cette ouverture de boîte vous a passionné autant que moi. Vivement le montage, qui ne saurait tarder. Et puis je pense bientôt vous faire un vlog ou deux, parce que parfois je veux vous passer des informations, puis on peut pas le faire. Donc à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir !